Bonjour à toutes et à tous. Welcome everyone. It's a pleasure to welcome you for the first event of the Bernoulli Center. We are lucky to be able to meet physically and not virtually. And we are honored to have the Professor Serre du Collège de France for the presentation today. In fact, there's a good news. There will be more seminars. This is the first of a series of at least two. The second one is in 2 weeks. Same location in theory, but there will be announcement. And maybe we hope perhaps a third one. Two reminders, the presentation is recorded, so please switch off your cell phone and try to avoid walking in the camera field unless strictly necessary. And that's all I have to say. Je laisse la parole au professeur Serre pour la présentation des groupes d'homotopie 1950-1952. Merci beaucoup, merci au Centre Bernoulli pour m'avoir accueilli. J'avais envie de parler de cette période sur les groupes d'homotopie qui a suivi par une vingtaine d'années presque leur introduction et où, dans une période d'environ 2 ans, un certain nombre de questions se sont trouvées résolues. Et des quantités d'autres ne l'ont pas été. Mais il y a eu quand même brusquement un progrès. Alors, je suppose que beaucoup d'entre vous savent ce que c'est que les groupes d'homotopie. Mais quand même, je vais rappeler la définition. C'est une partie de la théorie qu'on appelle l'homotopie, les choses qui ont la même forme, et où on considère que les déformations ne comptent pas. On néglige les choses qui se déforment. Par exemple, si vous dessinez un machin comme ça, eh bien, au point de vue homotopique, c'est juste ça, parce que vous pouvez contracter. Bon, certaines de mes démonstrations ne seront pas plus précises que ça, parce que ça prendrait trop de temps. Alors, les groupes d'homotopie dépendent d'un indice. On les appelle pi indice n. C'est un espace topologique x. Et puis, il y a un point de base. x0. x0 dans x. Alors, comment on les définit? Le cas le plus simple, c'est celui de pi0. Pi0, c'est tout simplement l'ensemble des composantes connexes. C'est un ensemble comme objet. Et un ensemble, c'est pas grand-chose. Il n'y a aucune structure dessus. Ensemble des composantes connexes. Alors attention, ces composantes connexes, pas exactement au sens de la topologie usuelle. Ici, ce qui va compter pour nous, ce sont les images des segments ou des triangles. Et donc, c'est la connexion par arc. Connexion par arc. Deux points sont dans la même composante connexe s'il y a, disons-le de façon précise, deux points x1, x2, là, il n'y a pas de point base. Sont dans la même composante connexe par arc s'il existe une application continue f de i dans x, avec i étant l'intervalle 0, 1, pardon, ou f de 0, très mauvaise notation, remarquez. J'aurais dû, si j'avais préparé les choses, les écrire x0, x1. Il faut donner le bon exemple quand même. Donc c'est ça la connexion par arc. C'est pi0 un ensemble, c'est pas grand chose. Pi1 c'est un groupe. Groupe fondamental. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors là, ça dépend réellement d'un point base. Alors, puisque je l'ai appelé x0, je vais continuer. On a un point x0 dans le grand X. Et on regarde les applications de i dans le grand X, ayant f, avec f de 0 égale x0. Mais aussi f de 1
égale x0. Donc ce sont les lacets. Et on leur met une petite orientation pour indiquer qu'on est parti de zéro, qu'on est arrivé à un tiers ici, à deux tiers là, et qu'on revient. Alors là, on les regarde à homothétie près. Donc on considère que deux lacets F et F' sont les mêmes, donnent le même élément du groupe fondamental. Si on peut les déformer, alors déformer, c'est simplement qu'on peut fabriquer une famille à un paramètre, F indice T, où T lui aussi est dans 0, 1, avec F de 0 égale F, F1 égale F'. Et ça doit dépendre continuellement, au sens que vous avez une fonction de deux variables là. Vous avez Ft de x, eh bien il faut que ce soit Ft d'un point dans i. Il faut que Ft dépende continuellement. Ft de x et continue en t et x. Alors par la suite, je dirais simplement homotope pour ce genre de choses. Alors là, cette fois-ci, c'est un peu mieux qu'un ensemble, c'est un groupe. La valeur de groupe étant celle que l'on devine quand on a un f et un f'. Alors évidemment, on suit ceci plus cela. Alors comment ça s'écrit en formule? En formule c'est un peu plus... c'est moins joli. Vous allez définir f' de t en disant que jusqu'à 1/2 par exemple, vous prenez f de t sur 2, f de 2t, si t est plus petit que 1/2. Et f' de t moins 1, quelque chose comme ça, si t est plus grand que 1/2. Et c'est un groupe qui, en général, n'est pas commutatif. L'exemple le plus simple, c'est le cas où vous prenez deux cercles avec un point en commun. Et là, le groupe fondamental n'est pas du tout commutatif. C'est un groupe libre à deux générateurs. Bon, ensuite, vous voyez bien qu'on continue. On continue, et à la place d'un cercle, on prendra une sphère de dimension n, et ça nous donnera pi n. Alors là aussi, il faut dire d'abord qu'on les identifie, ce sont homotopes, bien sûr, et puis il faut définir l'addition. Alors, il y a beaucoup de façons de présenter ça. Vous pouvez le dire de la façon suivante, par exemple. Supposez que vous ayez pi 2. Pi 2, ça envoie une sphère, c'est censé représenter une sphère, ça, hein, de dimension 2, et vous lui collez, vous en collez une autre. Alors, si vous avez un f qui envoie ça dans votre x, et un f' qui envoie ça dans votre x, et puis ce point doit aller, est-ce que je l'ai dit? Non, je ne l'ai pas dit. J'ai dit, sur la sphère dimension n, on doit choisir un point. Et on va demander que ce point aille sur le point x0. Donc, alors, ici, vous avez votre point et il va sur x0. Comment est-ce que vous faites une application de S2, bien vous prenez la sphère usuelle avec son équateur. Elle contient le point de base que vous avez choisi. Et vous écrasez l'équateur. Vous le pincez comme si c'était du caoutchouc, comme ça. Alors à ce moment-là, ça vient là-dessus. L'hémisphère d'en haut donne ça, ça. Et le composé, c'est ça. Et cette loi est commutative. Alors, commutatif. Alors là, maintenant, on va faire un petit peu d'histoire du sujet, parce qu'on est arrivé à un adjectif commutatif
qui a causé à la théorie d'être retardée pendant 4 ans. Bon, elle pouvait attendre, mais elle était retardée. Parce que cette définition-là a été indiquée par un mathématicien tchèque. Je crois que ça s'écrit avec un... C'est ça, c'est l'histoire de Tchèche. C'était en 1932. Tchèche, dans un congrès, définit ça. Et puis il dit, bien sûr, c'est commutatif. Vous allez voir tout à l'heure pourquoi c'est commutatif. C'est commutatif, et ses collègues, des topologues très connus de l'époque, et toujours connus d'ailleurs, Alexandrov, je ne me rappelle plus s'il y a deux F, et surtout Hopf, lui ont dit, ah ben non, l'intérêt du groupe fondamental, c'est justement qu'il n'est pas commutatif, il contient énormément d'informations, tandis que là, c'est pas intéressant. Tchèche n'a jamais publié sa définition, mais heureusement, quelqu'un a eu meilleur goût. C'est une bonne leçon pour les jeunes générations. Vous ne devez pas trop écouter les gens qui vous disent que ce n'est pas intéressant. C'est à vous de décider. Gourevitch, mathématicien polonais, bien plus courageux, si j'ose dire, 1936 et 35, 4 notes au procédé de l'Académie d'Amsterdam, qui développe ça, qui démontre de jolis théorèmes. Et qu'est-ce qu'il démontre en particulier? Bon, commutatif, ça, je vais y revenir dans un instant. Mais Gourevitch compare ça à d'autres invariantes des espaces topologiques, les groupes d'homologie. Les groupes d'homologie qu'on note en général, disons HP en dimension P de X à valeur, il faut prendre des coefficients. Dans le cas présent, on va prendre Z comme coefficient. Et ce que démontre Gourevitch, c'est la chose suivante. Il prend un X et il suppose qu'il sait déjà que les pi i, avec un point de base que je n'écris pas, de x sont 0 pour i plus petit que n. Alors, il démontre que le suivant, en tout cas, on n'a pas de mal à le calculer, c'est pi n de x égale à hn. Parce que j'ai un problème musculaire dans le bras droit qui fait que j'ai du mal à écrire. Non, je ne peux pas. Excuserai pour l'écriture. Il démontre ça. Or, ces groupes-là, ils sont faciles à calculer en pratique. Si, par exemple, pour une sphère de dimension S, P de dimension P, vous avez les hachis sont 0. Sauf, bon, i positif, strictement, sauf, bien sûr, i égale p, où c'est z. Aucun problème. Donc, le premier groupe d'homotopie non trivial, on l'a. Le problème, ce sont les autres. Alors, ça paraît curieux pour une sphère, et nous allons surtout parler des groupes d'homotopie des sphères. Parce qu'après tout, les sphères sont les espaces qui ont la dimension, qui ont l'homologie la plus simple, non triviale. Est-ce que les suivants sont zéro? Alors, il y a juste une sphère, S1. Vous remarquerez que j'écris, comme Bourbaki, la sphère dimension n, Sn. Et cependant, j'écris, si je vais le faire, Rn. C'est parce que Rn, c'est la puissance énième de R. Et Sn n'est pas la puissance énième de quoi que ce soit. Mais tout le reste des homotopistes écrivent Sn avec un N en haut, parce que, ça, comme ça, ils se rappellent, soi-disant, quand ils l'auraient oublié, que c'est une variété de dimension n.
Oui, certains textes de topologie sont exaspérants parce que l'auteur, il dit « considérons une variété Mn ». Il veut dire par là une variété de dimension n, quelle qu'elle soit. Alors que pour moi, c'est un indice, machallah, ou un exposant. Bon. Allez, on ne va pas critiquer les petits camarades. C'est pas mon métier. Alors, allons-y. Alors, au moment où Hurevitch écrit son article, ses notes, il y a déjà des résultats qui montrent les résultats de Hopf, datant déjà de quelques années, j'ai oublié combien exactement, mais qui donnent des exemples surprenants. Le premier exemple, c'est celui qui, paraît-il, est affiché dans l'entrée. Pi 3 de S2 égale Z. Alors que le H3 égale 0, bien sûr. Alors, c'est surprenant à première vue, comment est-ce qu'on peut bien envoyer S3 sur S2? Parce que ça va s'envoyer sûr. Si c'est pas sûr, ça envoie dans R2 et R2 tout se contracte. Donc c'est sûr. Mais c'est en fait, c'est même mieux que ça, c'est une fibration. Et la fibre, c'est S1. Et en fait, c'est obtenu par la façon suivante. Vous prenez C2. Et vous regardez C2 moins 0. Alors là-dedans, vous avez les droites. C'est un espace vectoriel dimension 2 sur C, vous avez les droites. Et si vous regardez l'espace des droites, l'espace des droites, c'est la droite projective, P1 de C. Et la droite projective, c'est un plan plus un point, c'est S2. C2 moins 0, vous pouvez prendre la sphère unité là-dedans. La sphère unité, c'est S3. Donc elle s'envoie sur S2. Et quelle est la fibre? Eh bien, vous pouvez faire des homothéties, mais de module 1, donc c'est S1. Donc en fait, c'est un espace homogène, S2, c'est S3 sur S1 égale S2. Bon, il faut encore montrer que cette application n'est pas homotope à 0 et que le groupe est Z, bon, mais c'est ça le premier exemple. Si vous avez envie de remplacer les complexes par les quaternions, vous trouverez de la même façon S7 va dans S4 avec un S3. Et c'est encore un espace homogène. Et si vous aimez remplacer les quaternions par les octonions, à ce moment-là, vous allez trouver, ça c'est 8 moins 1, 16 moins 1, ça fait 15, S15 sur S8, fibre S7. Mais là, ce n'est plus... enfin, c'est une fibration, mais ici, c'est un espace homogène. Là, ce n'est pas le cas. S15 n'est pas un groupe. Attendez, non, je dis des bêtises, parce que S7 n'est pas un groupe non plus. Bon, celle-ci est plus compliquée que celle-là, et ça ne continue pas. Ça, c'est un résultat profond qui a été démontré bien après. Alors, là, on s'est arrêté en 36. Dans le titre de l'exposé, il y a la date 1950. Alors,
Qu'est-ce que l'on savait en 1950 sur les groupes d'homotopie? Prenons le cas des groupes d'homotopie des sphères. C'est vraiment le cas le plus amusant. Pi de Sn. Bon, il y a les résultats de Hurwitz. On sait donc qu'ils ne sont intéressants que pour i plus grand que n. Alors en 50, on connaissait pi plus 1. Pi n plus 1 de Sn. On savait que c'est un groupe d'ordre 2. Pour n au moins égal à 3. Sûrement pas pour n égal à 2, parce que c'est z. Et vers 1940 et quelques, on croyait savoir que pi n plus 2, c'est 0. Ça avait été annoncé par Pontryagin avec une démonstration qui, presque 10 ans après, il a vu qu'elle était fausse et que le résultat correct, qui était donc connu en 50, mais tout neuf, c'était ça. Alors, il y avait des exemples de Hopf qui montraient que si n est pair, alors il y a effectivement des groupes d'homotopie qui sont gros, qui généralisent ceci, pi moins 1 de Sn contient z, est infini, disons. Non, c'est plus précis quand même, il contient z. Il contient peut-être d'autres choses, mais il contient ça. Voyons, j'ai l'impression que c'est à peu près tout. Ah non, il y avait quand même Freudenthal. Freudenthal, c'est presque après Hurwitz, c'est 1937. Il avait démontré que les groupes pi plus z de Sn ne dépendent que de i, pourvu que i soit plus grand que n. Est indépendant de i, si i est plus grand que n ou quelque chose comme ça. Peut-être que c'est avec égalité, je ne me souviens plus. Je ne crois pas. Alors, pourquoi ça s'appelle la suspension? C'est parce que ça revient à dire simplement une propriété de périodicité. Vous devez montrer que pi de Sn isomorphe à pi plus 1 de Sn plus 1 pour, avec une condition sur i plus grand quelque chose. Or, il y a une flèche en tout cas entre les deux. Cette flèche traditionnellement s'écrit E. E, c'est l'initiale de Einhängung, la suspension en allemand. Et pourquoi c'est une suspension? Imaginez que je veuille faire ça en dimension 1, que j'ai eu une application d'un cercle, disons dans un cercle. Ah, c'est pas exactement. Bon, une sphère de dimension 2, ça peut se voir de plusieurs façons. Comme une famille a un paramètre de cercle, et je ne vais pas choisir la façon évidente, je vais choisir plutôt une façon comme ça. Pourquoi je choisis ça? C'est parce que ça montre que c'est un lacet de lacets. C'est-à-dire que vous avez une famille à un paramètre de lacets qui commence par le lacet trivial 1 et qui se termine par le lacet trivial 1. Donc, c'est lacet de lacets. Alors à ce moment-là, si vous envoyez une sphère de dimension i dans une sphère de dimension n, vous prenez cette application, vous découpez si plus 1
en tranches de SI et vous envoyez dans les tranches correspondantes de SN plus 1. Alors bon, ça ne montre pas du tout que c'est un isomorphisme, mais on va voir comment ça apparaît autrement. Donc voilà, je crois que là j'ai fait à peu près la liste des choses que l'on savait en 50. Qu'est-ce qu'on ne savait pas qui s'imposait comme question? Bon, par exemple, j'ai quand même oublié. Les groupes d'homotopie sont dénombrables. Non seulement pour la sphère, mais pour tout complexe, simplicial, tout ça. Ils sont dénombrables, ce n'est pas totalement évident, mais c'est parce qu'on arrive à les déformer. On prend des subdivisions de l'espace en polyèdre et on approche par des applications linéaires qui du coup ne dépendent que d'un nombre dénombrable de paramètres. Voilà. Qu'est-ce qu'on ne savait pas? Par exemple, type fini. Mais en fait, pour presque rien. Ce n'est pas une question si innocente que ça, type fini. Je me souviens très bien que quand je travaillais sur ces choses-là, à cette période, je ne connaissais pas de contre-exemple, c'est-à-dire d'exemple d'espace topologique raisonnable dont l'homotopie ne soit pas de type fini. Ce n'est qu'après que je me suis rendu compte que c'était immédiat, mais que souvent vous avez du mal à voir que quelque chose est immédiat. Alors, peut-être que vous avez connu les lignes de haute tension. Les lignes de haute tension et se présentait dans la nature comme une grande ligne, et il y avait des sphères de dimension 2, dans l'espace où nous sommes, elles sont de dimension 2, il y avait des sphères qui étaient accrochées de temps en temps. Je ne sais pas quel rôle elles jouaient. Mais en tout cas, vous avez un espace. Alors ça fait imaginer le infini. C'est un espace, bon. Mais il est stable par translation, il y a une action de Z, Z opère dessus. Passer au quotient. Ça fait un revêtement, ce machin-là. Qu'est-ce que ça va donner? Toutes les sphères vont donner une seule. Et ça va devenir un cercle. Donc c'est ce qu'on appelle un lacet d'un S1 avec, je ne sais pas quelle est la notation standard, c'est quelque chose comme ça. S1, là, c'est S2. Quelle est la notation standard? Il y a des gens qui le savent ici. C'est quoi? C'est un truc comme ça? Ah, c'est un V, d'accord. Oui, c'est ça. Bon. Alors ça, c'est un espace très, très raisonnable. Quel est son pi 2? Eh bien, c'est un théorème facile, qui est dans Mourevitch, que le pi 2, ou les pi i plus grand que 1, d'un espace et de son revêtement sont les mêmes. Donc le pi 2 de ce machin-là, qui est un complexe fini très simple, c'est le pi 2 de ça. Mais ça, c'est simplement connexe. Pour Mourevitch, le pi 2, c'est le H2. Mais le H2, il est clair. Vous avez chaque sphère vous donne un élément du H2, elles sont linéairement indépendantes, et le groupe les transforme. Donc ce pi 2, c'est une infinie, c'est la somme, c'est Z plus Z plus Z plus etc. mais d'infinité de fois. Et avec une action du groupe fondamental. Parce que c'est Z et hypermute. Vous avez un exemple au fond de module libre, tout simplement. Donc il faut se méfier. Mais quand même, une des choses qu'on démontre ensuite, c'est le théorème suivant. Si, alors 1950, alors. C'est que si X est un complexe fini, complexe, je veux dire, un complexe simplicial, c'est-à-dire ce que vous obtenez en recollant des segments, des triangles, des simplexes en général, et s'il est simplement connexe.
pi 1 égale 0, ou égale 1, puisqu'il est multiplicatif, on le note par 1. Alors, pi i de x, quel que soit le point, est de type fini. Bon, je vous expliquerai tout à l'heure, peut-être, comment on démontre ce genre de choses. En fait, les progrès du sujet de 1950, ils ont deux aspects. Ils proviennent d'une part d'une redéfinition de la notion d'espace fibré. La notion d'espace fibré, elle est très, assez ancienne, je ne sais pas quelle est la date précise, mais en général, les gens avaient en vue ce que l'on voit en géométrie différentielle. Par exemple, vous avez une variété différentielle compacte, vous l'envoyez sur une autre, vous supposez que l'application tangente est aussi bonne que possible, et vous avez un fibré. C'est un fibré au sens que c'est localement un produit direct. Vous pouvez décomposer au voisinage des fibres en produits. Et c'était essentiellement ça la source de fibrés de l'époque. Eh bien, il s'est trouvé qu'on avait besoin de plus que ça. Alors, le premier exemple de ça, c'est justement d'introduire l'espace des lacets. Vous avez un x et un point de base x0. J'ai défini tout à l'heure les lacets. Et il y a une topologie naturelle sur les lacets. Ça s'appelle en anglais la compact open topology. C'est à peu près une convergence uniforme. Je ne vais pas entrer dans les détails de la définition de ça. Mais il y a une définition naturelle et à ce moment-là, ça donne oméga. On définit ça comme l'espace, mais c'est un espace cette fois-ci, délacé de x, centré en x0. Et au fond, la définition des groupes d'homotopie peut s'expliquer en termes de oméga comme de la façon suivante, le pi de x en x0, j'écris pas le x0 pour simplifier, c'est pi i moins 1 de oméga x. Bon. Ah, ça déjà, ça vous dit que si vous avez besoin pour un cours ou quelque chose à raconter en détail la définition des groupes d'homotopie, eh bien, vous ne vous fatiguez pas. Vous définissez oméga de x, je viens de le faire en un instant, et vous dites, par récurrence, je sais déjà ce que c'est que ça. Donc j'ai ça. Et vous dites, oui, ben, comme celui-là est abélien, celui-là est abélien. Sauf que i égale 2, i moins 1 égale 1. Ah, le pi 1 de oméga x, pourquoi diable le pi 1 de oméga x serait abélien? Il l'est, bien sûr, mais pourquoi? R. Quand vous voulez démontrer qu'un groupe est commutatif, ça a l'air difficile, ou trop facile. Vous devez montrer que deux éléments commutent, mais ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Pas ici, non. Il y a une caractérisation plus catégorique, plus savante. Vous regardez, G croix G va dans G. La multiplication. Alors quand on est débutant, on se dit, ah ben, puisque ce sont des groupes et que le monsieur a mis une flèche, c'est que c'est un homomorphisme. Eh bien non, ça, la multiplication, c'est un homomorphisme. Si et seulement si, G est abélien.
Bon, eh bien, oméga x est presque un groupe. Il y a la multiplication des lacets fait que vous avez oméga x. Quoi, oméga x va dans oméga x, par composition. Et c'est presque une loi de groupe. C'est une loi de groupe à homotopie près. Il y a un élément neutre. La loi de composition elle n'est pas commutative, mais elle est associative à homotopie près. Il y a un inverse à homotopie près. Tout est bon à homotopie près. Incidemment, il y a un joli papier de Milner, des années 55 à peu près, qui montre que quand X est un complexe simplicial, par exemple, un CW complexe, on peut remplacer oméga X par un véritable groupe topologique. Mais ça ne s'est pas très, très utile. En tout cas, ça c'est suffisant pour que l'on ait IN. Et ça c'est trivial que c'est la même chose que πn de oméga x, 3πn de oméga x, parce que tout simplement une application dans un produit, c'est une paire d'applications. Donc vous avez ça. Ah, ça. Or, c'est effectivement la multiplication, parce que x,1 va dans x, etc. Donc, ceci est un homomorphisme. Donc πn d'oméga x est commutatif. Bon, c'est pour s'amuser que... J'aime bien aussi les critères bizarres de commutativité. Alors je vous en livre un pour vous amuser dans le métro, mais il n'est pas fatigant. Prenez un groupe G et appelez C le centre de G. Alors, G sur C. Bon, quand même, vous attendez pas à ce que je vous dise que si G sur C égale 1, ça veut dire que G est commutatif. Oui, ça c'est vrai, d'accord. Mais ce que je vais vous dire, c'est que si si le quotient par le centre est d'ordre 2 ou 3. Alors je vais vous livrer un peu, on est ici pour s'amuser, hein. Alors je vais vous livrer aussi un exercice que j'aime beaucoup. Soit G et C centre. L'indice de G dans C, supposez qu'il soit fini. C'est un exercice. Alors, si j'essayais de donner une cotation, comme en escalade, les gens aiment bien donner des cotations. Donc ça c'est l'escalade, c'est du 1. Et ça, c'est du 3. Ça vous obligera à travailler pour le démontrer. Alors, évidemment, quand vous aurez fait ça, vous direz... Qu'est-ce qu'il aurait pu mettre comme nombre à la place de 1? Mais ça, je ne vous le dis pas. C'est à vous de vous amuser. Bon, alors. Alors, pourquoi j'avais parlé de oméga à partir des espaces fibrés? Eh bien, il y a une définition donc des espaces fibrés que je ne vous ai pas donné en détail, localement trivial. C'est pas celle-là qui va nous rendre service, c'est une autre. C'est une autre et qui est liée à l'espace des lacets. L'espace des lacets peut se voir à l'intérieur d'un espace un peu plus grand. Appelons ça E, E de X et de X0. Je ne me rappelle pas quelle notation je donnais à ça, mais c'est l'espace des chemins commençant
par x0. Donc ce sont les applications de i dans x, où vous demandez que 0 donne x0 et que 1, il a le droit d'aller n'importe où. Donc, un petit dessin, x0, et puis où ? Là, ou là. Alors ça, ça a une flèche évidente sur x. Là. L'extrémité. Et la fibre, c'est-à-dire l'image réciproque du chemin constant, le chemin le plus bête possible, la fibre, c'est oméga. Et de x, c'est un espace intéressant, si j'ose dire, du point de vue homotopique, parce qu'il est trivial. Si vous pouvez déformer e de x en l'élément neutre, parce que quand vous avez un chemin comme ça, eh bien, vous définissez le chemin deux fois plus court. Vous n'allez que jusque-là, trois fois plus court, etc. Et vous avez donc une famille de rétractions. Et finalement, et pour un topologue homotopiste, c'est un point. Donc vous avez fabriqué un drôle d'animal, vous avez fabriqué un espace fibré qui est un point, au point de vue homotopique, de base x de fibre oméga. Or, il se trouvait, et ça c'est la chance de l'époque en question de 50-52, il se trouvait que le Ré avait créé une théorie un peu impressionnante de ce qu'on appelle des suites spectrales. Ah oui, je n'ai pas dit pourquoi c'est un espace fibré. Eh bien, dans ce que je voulais faire, j'avais besoin que ça en soit. J'ai vérifié qu'il avait une propriété importante des fibrés, mais je n'ai pas envie de l'écrire. Le relèvement des homotopies. Et j'étais convaincu que ça suffirait. Alors j'ai tout simplement dit, je déclare que les espaces qui ont cette propriété sont défibrés. Alors après, ça s'est appelé défibré au sens du monsieur. Et du coup, ce que je voulais, c'était que ça, ce soit un fibré. Alors, j'expliquerai aussi que ça donne énormément plus de fibrés que ce qu'on en connaissait avant. Suite spectrale de Le Ré. C'est une suite spectrale qui n'a a priori rien à voir avec l'homotopie, c'est sur la cohomologie. Mais la cohomologie des fibrés. En gros, quand vous avez un fibré, alors là, les lettres pour les fibrés sont de toute éternité, ou presque, enfin pas tout à fait toute éternité, mais disons mon éternité. De E, c'est l'espace fibré. F, c'est la fibre. Alors, la fibre. Bon, dans un espace fibré, les différentes fibres, ciblées et connexes, se ressemblent. Et on prend un point base, c'est la fibre du point base. Disons qu'on a choisi ici un point base et là. Et on l'a choisi dans F, fibre de F. Alors, il met en relation les cohomologies de ces trois choses. Alors, quand j'ai réfléchi à l'exposé que je suis en train de faire, je me suis dit que le mieux serait que je vous donne des exemples de la façon dont on calcule directement et non pas des définitions. Alors, on va regarder d'abord le cas suivant. On va prendre le cas où B et F sont des sphères. Alors, est-ce que dans l'auditoire, quelqu'un veut me donner deux entiers qui sont les dimensions de ces sphères pour que je vous... Alors, allez. Il y en a une 3 et 2. Non, là, vous trichez pas. Quelqu'un qui n'y connaît rien, d'abord, me donne deux entiers. Allez, combien ? 4 et 5 ? 7 et 15. 7 et 15. 7 et 15. C'est pire que moi, c'est lui. Il est trop savant, alors bon. Bon, alors, d'accord. Alors, je vais commencer par un exemple idiot et puis un exemple intelligent. Alors, commençons par un exemple idiot.
S3, S5. On a un espace fibré qui est... Alors, je ne dis pas lequel est la base ou la fibre, il faut choisir. Disons que c'est celui-ci la base, celui-ci la fibre. Et on va regarder la cohomologie, on va la regarder à coefficient entier, c'est pas... Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? La théorie de Drey vous dit d'abord que l'espace fibré aura une cohomologie, a une cohomologie plus petite. Plus petite au sens Bourbaki, c'est égalité permise. Avec S3 croix S5. Et alors, vous représentez, j'ai dit que la base était ça, vous représentez la cohomologie de la base. La base, c'est visiblement ici, vous voyez. Alors, 0 et 3, parce que là, là, il y a de la cohomologie, la base. Et ici, 5. Mais vous représentez la cohomologie du produit. Alors, le produit, c'est le produit tensoriel. Donc voilà, vous démarrez comme ça. Si votre fibré était un produit, c'est ça qu'il y aurait. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Eh bien, la théorie de Drey vous dit que ça, c'est la première page. Maintenant, on dit page. Avant, on disait terme. Mais c'est la page d'indice 2. Alors, 0 et 1, oui, il y a des pages d'indice 0 et 1. Elles ne sont pas intéressantes, elles sont énormes. Ce sont des cochaines et non pas de cohomologie. Mais ça commence, l'intérêt commence à 2. Et que sur ce machin-là, c'est le produit tensoriel, il y a un opérateur cobor, D2. Et pourquoi il s'appelle D2? Parce que si vous avez quelque chose qui est en degré, alors comment dire ça? Bon, c'est... Prenez un élément ici, il est 0, mais enfin, faisons comme s'il n'était pas 0. Qu'est-ce que fait l'opérateur D2? Il doit augmenter son degré de 1, degré total, mais il doit augmenter le degré base, c'est pour ça qu'il s'appelle 2, il augmente de 2. Donc il fait ça. Aux échecs, c'est un saut de cavalier, ça. Donc vous faites un saut de cavalier. Et cet opérateur D2, bien sûr c'est un opérateur cobor, D2, D2 égale 0, et vous devez prendre la cohomologie de ça par rapport à D2. C'est 0, D2. Il n'y a pas moyen d'envoyer quoi que ce soit. D3. Alors, la théorie de Drey vous dit, vous calculez d'abord la cohomologie pour D2, et ensuite, vous passez au grand après. Page d'indice 3. À ce moment-là, l'opérateur D3, il va augmenter de 3 en bas, et... il va diminuer de 2. Autrement dit, il va faire ça. C'est ça l'opérateur D3. Ah oui, ce serait possible qu'il y en ait un, puisque là, il y a ça. Mais il n'y a rien ici en degré 2. Donc c'est 0. Et vous constatez, ils ont tous 0. Conclusion, finalement, la cohomologie, par la théorie de Drey, la cohomologie du fibré, c'est celle du produit, c'est pas intéressant. C'était pour ça que vous avez dit, je prends un exemple idiot d'abord. Alors maintenant, les exemples intelligents que ces braves gens m'ont donné. On va prendre S15 et S8, c'est ça que vous m'avez donné. Alors, S15 et S8. Alors, lequel base? Alors, choisissez lequel en base pour ceux qui savent. Allez, un qui sait, alors 8 évidemment, oui, 8. Vous allez voir tout de suite d'ailleurs que ça n'a pas beaucoup de choix. 8, attendez. Attendez, vous avez donné S15, mais je pense que vous pensiez. Non, vous pensiez à l'espace total, 15. Donc en fait, c'est S7 et S8 qu'il faut regarder. S15 et S8, ça ne donnerait rien. Mais S7. 7. Alors vous voyez pourquoi? Là, c'est tout à fait évident sur la suite spectrale. Parce que aucun opérateur différentiel ne peut faire quoi que ce soit, sauf D8. Mais il peut. Et il se trouve qu'effectivement, il y en a un qui fait ça. Alors lui, il pourrait l'envoyer sur un multiple entier, plus ou moins quelconque. Mais s'il envoie sur carrément le générateur, on travaille sur Z. Alors du coup, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien que ça et ça. Autrement dit,
dans le cas intéressant, vous allez trouver la même cohomologie que S15. Alors, je vais vous faire maintenant, à titre d'exemple, la cohomologie de l'espace oméga de Sn. Vous prenez l'espace des lacets sur Sn et vous dites quelle est sa cohomologie. Alors, on va admettons que la théorie de Le Ray est valable pour les vibrations en mon sens, des vibrations pas très orthodoxes. Alors, admettons-le, on va voir ce qui peut se passer. Alors là, vous avez un problème d'un type différent. La base, ça c'est la fibre. On a vu qu'il y avait un espace E qui est un point, il n'y a pas de cohomologie. Et la base, c'est Sn. Alors vous avez un problème différent de tout à l'heure. Vous avez la base, vous la connaissez. 0 et n. Vous ne savez pas du tout ce que c'est que ça. Ça, c'est ce que vous voulez chercher, trouver. Mais vous savez que vous devez trouver à la fin des fins, vous devez trouver 0, rien. Tout doit disparaître, comme on dit, dans les boutiques. Alors, par exemple, qu'est-ce que ça entraîne? Prenez par exemple une classe de cohomologie ici toute petite, en H1. Eh bien, évidemment, elle va donner 0 ici. Parce qu'il n'y a rien. Et les opérateurs suivants, c'est encore pire, parce que ça va l'envoyer, D3 va l'envoyer dans une zone où il n'y a que des zéros. Conclusion, il n'y a rien jusque-là. Mais par contre, si vous arrivez à N-1, là, vous avez la chance de trouver quelque chose, et il va falloir absolument que ça tue ce N. Donc vous aviez un Z ici, vous êtes forcé d'avoir un Z là. Ah. Donc vous avez déjà déterminé la cohomologie, l'espace des lacets jusque-là, qui d'ailleurs était évidente, mais continuons. Mais la cohomologie totale, c'est un produit tensoriel. Donc, celui-là et celui-là, ça donne ça. Ah, mais il faut bien le tuer, celui-là aussi. Bon, d'accord, alors on le tue. Et ça va être le même DN. Et vous continuez. Et vous voyez, il n'y a aucun problème, vous allez trouver que la cohomologie de oméga Sn, c'est Z si N-1 divise I, et c'est 0 sinon. Bon, je n'ai pas parlé de cup produit, mais on peut introduire, oui, les cup produits. En cohomologie, il y a davantage d'opérations qu'en homologie. On peut multiplier les classes et si on fait les calculs en tenant compte des motésies, on trouve ceci. On trouve que là, il y a une classe, disons, U, générateur là, et que celle qui est là, c'est U2 sur 2. Ou plus exactement, bon, c'est pas très correct. Alors, appelons celle-là U1 parce que c'est la première. Ensuite, le générateur de ça, ça va être le carré. Vous allez avoir 2 fois U2 égale U1 carré. Vous avez ce qu'on appelle les polynômes divisés. C'est-à-dire, les polynômes usuels, ils ont comme base un X, X2, etc. Mais il y a des polynômes divisés, ils ont comme base ce sont ceux qui se comportent le mieux pour la différentielle. Et vous trouvez donc ça. Vous trouvez que la cohomologie, aussi l'homologie de oméga Sn, c'est ça. Donc,
un Z en dimension N moins 1, un autre, et puis cette loi de produit. Alors, première remarque, c'est que ça ressemble énormément au début à une sphère, puisque vous avez, si vous comparez oméga de Sn à Sn moins 1, ça démarre exactement pareil, et les groupes d'homotopie sont les mêmes. Eh bien, mais ça cesse d'être vrai à 2n. Bien, ça, c'est l'explication de la suspension de Freudenthal. Freudenthal avait montré ça. Mais bon, j'ai encore un tout petit moment. Comme toujours, on n'arrive pas à raconter tout ce qu'on veut. Qu'est-ce que je dois choisir maintenant? Il faudrait quand même que j'explique comment ces choses permettent de calculer des groupes d'homotopie. C'est à cause du fait que on peut utiliser la méthode des espaces de lacets pour construire quantité de fibrations auxquelles on n'aurait jamais pensé sans ça. Alors, par exemple, prenez n'importe quelle application continue, f d'x en y. Si vous avez envie, si vous pensez que x, y se ressemblent, qu'ils ont un petit peu le début de leur cohomologie ou de homotopie est la même, et vous voudriez faire un espace qui mesurerait la différence. Alors, si c'était une fibration, oui, la fibre mesurerait sa différence. Bon, eh bien, théorème, facile. On peut remplacer x par un x prime, y par un y prime, f par un f prime, de façon qu'au point de vue homotopique, on n'ait rien changé, s'ils ont la même homotopie, et que ça, ce soit un fibré. Voilà comment, c'est tout bête. Voilà les points de ce fibré, donc il faut que je dise les points de x prime. Un point de x prime, ça va être un couple. Point de x prime. Ça va être un couple de, d'une part, un point de x et d'un chemin. Un point de x, donc x en grand x. F, un chemin, c'est-à-dire un i flèche, un chemin de y. Et on met comme seule condition à ce f que f attendez, il y a quelque chose dont je m'excuse, j'ai pris f pour toutes les fonctions s'appellent f pour moi, alors évidemment c'est un peu embêtant quand on a choisi ça, alors je vais l'appeler phi celui-là, oui ben on va faire ça. Et ça, ce sont les F. Parce que F, pour moi, c'est un chemin. Alors, ce sont les F. Et on leur demande simplement que F de 0 égale phi de X. Autrement dit, un point de X', c'est le choix, d'une part, d'un point X, et puis dans Y, on prend F, on prend phi de X, et on prend un chemin. Il se termine où il veut. Alors, cet X' est a le même type d'homotopie que X, parce que tout simplement, quand vous raccourcissez le chemin, vous prenez le chemin de plus en plus petit, et à ce moment-là, il n'y a pas plus d'informations que X. Donc X', c'est équivalent à X. Y', c'est Y. Et que l'application soit une fibration, c'est facile. C'est vraiment rien. Donc, vous avez une petite construction qui transforme toute application continue en une fibration. Et du coup, vous pouvez parler de la fibre de phi.
Alors, pourquoi ça a des rapports avec l'homotopie? Eh bien, on va prendre un exemple. On va prendre la sphère S3. C'est ma sphère favorite. M'excuse, on a comme ça des... la sphère unité des quaternions, c'est quand même très joli, et oméga de S3. Et on a envie de la comparer à S2. Alors, vous avez un plongement naturel de S2 dans oméga S3. Et vous le transformez en une fibration. Et du coup, vous recevez un F. Et vous pouvez calculer, par la méthode de Leray, je n'ai pas envie de le faire, mais vous pouvez calculer la cohomologie de F. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez détruit, dans F, vous n'avez plus le H, le Z. Vous voyez, il y avait un Z embarrassant. Le π3 de S3, le π2 de S2, c'est Z. Mais ils se correspondent, on l'enlève. À ce moment, vous avez une fibre, et vous constatez que cette fibre a toute sa cohomologie, toute son homologie, par exemple, est formée de groupes finis. Ah ! Et que vous pouvez calculer, d'ailleurs, là le calcul n'est pas difficile. Mais vous pouvez calculer, vous pouvez aussi voir quelle est la première, quelle est la, comment ils sont au début. Il y a des groupes d'ordre 2, vous avez plus 3, etc. Et finalement, vous constatez par exemple que... Alors, et pourquoi ça vous donne un renseignement sur l'homotopie? Eh bien, par le théorème de Horowitz, le premier non nul, ça va être un groupe d'homotopie. Donc vous avez instantanément comme ça, πn plus 1, c'est-à-dire π4 de S3 égale z sur 2z. Ça tombe tout seul. Mais aussi le fait qu'un nombre premier apparaisse plus tard vous donne des renseignements. Là, il faut travailler un petit peu, mais pas beaucoup. Et vous arrivez à démontrer des choses du genre suivant. Que si vous prenez πi de S3, i plus grand que 3, c'est un groupe fini dont l'ordre ne fait intervenir que des P premiers avec, voyons, I plus grand, I au moins égal à 2P, c'est-à-dire P plus petit que I sur 2. Alors, pour P égale 2, ça ne vous donne pas grand-chose. Pour P égale 3, ça vous montre déjà que c'est pour 6. Et en fait, pi 6 de S3 est cyclique égale Z sur 3, écrit par le Z, plus Z sur 4. Alors, j'ai envie de faire deux choses maintenant. On va arrêter ces semblants de démonstration qui n'en sont pas, mais qui vous indiquent en tout cas que on s'est trouvé donc à ce moment-là, en 50-52, devant des possibilités de calcul, de combinaison de suite spectrale où j'aime comparer ces choses-là à un sudoku ou un de ces jeux Kenku, ces jeux japonais où il faut remplir des cases. Alors vous voyez, c'est exactement ce que j'ai fait là. J'ai rempli des cases, j'avais certaines contraintes. La différence avec le sudoku, c'est que d'abord, on n'est pas certain d'y arriver. Il peut y avoir plusieurs solutions. Et aussi, on peut se tromper en plus. Mais ça, c'est... Alors je voudrais vous dire, maintenant, où on en était. Donc en 52, disons, ou 51 même, ce qu'on savait, c'était donc que ces groupes sont de...
sont de type fini, que pour les sphères, ils sont finis, sauf ceux qu'on savait déjà ne pas l'être, mais ceux qui ne sont pas, c'est Z plus un groupe fini. Et on avait des calculs, je crois que personnellement, je suis arrivé jusqu'à pi i plus, pi n plus 8 de Sn. Mais très rapidement, Toda, très rapidement, bon, disons, dans les 10 ans qui ont suivi, Toda est arrivé jusqu'à pi n plus 20. Alors, non seulement donner la structure du groupe, mais décrire les éléments. Mais ça, je ne vous l'ai pas fait, parce que c'était un peu... Je vais vous donner quand même un exemple. Pi 6 de S3 est cyclique d'ordre 12. Donc, je vais vous donner un élément. Voilà comment vous faites. Vous prenez S3 croix S3. Et vous... Je vais définir cette flèche. Alors, S3, ce sont les quaternions de norme 1. Bon, et si vous avez deux quaternions, vous l'envoyez sur x, y, vous l'envoyez sur les commutateurs. Autrement dit, vous prenez avantage du fait que S3 n'est pas du tout un groupe commutatif. Son commutateur est très sérieux. Le voilà. Et ceci a l'intérêt que si x égale 1, par contre, on ne trouve rien. Donc ceci, c'est trivial sur 1 croix S3, c'est trivial sur S3 croix 1. Donc, vous avez un produit de deux sphères, mais vous pincez en un point de machin, et bien, ce que vous trouvez, c'est S6. Et donc, vous avez fabriqué tout à fait explicitement un S6 en S3. Et bien, c'est lui, c'est le générateur. Enfin, le, c'est un générateur. Alors, quand j'ai pensé à faire cet exposé, je me suis dit que j'allais consulter les spécialistes, parce que moi-même, je me suis arrêté à peu près en 53 de regarder ces choses-là. Mais à l'heure actuelle, par Internet, c'est extrêmement facile de trouver les noms des gens qui ont publié. Et j'ai été un peu déçu de voir que, à l'heure actuelle, après 70... Non. Non, après 60 ans après Toda, parce que Toda c'était une dizaine d'années, on n'en est que là. Par contre, ce que les spécialistes ont beaucoup étudié, ce sont les groupes dits stables, c'est-à-dire ceux où on prend pi i plus n de Sn, n grand. Alors ils ne dépendent que de i. Et pour les spécialistes, ces groupes-là sont plus importants. Et à l'heure actuelle... J'ai consulté, j'avais noté son nom, consulter les noms, retenir des noms, est-ce qu'il y a de plus difficile? Les maths, c'est pas difficile, mais non, parce que ça a une telle cohérence, tandis que les noms, ça n'a pas de cohérence du tout. Isaac Sen, et un autre m'a aussi aidé, et là, les stables, on en est à... les n plus i, alors c'est la valeur de i jusqu'à à peu près 90. Mais quand j'ai commencé à me poser ce genre de questions pour l'exposé d'aujourd'hui, j'étais optimiste, je pensais que ça aussi, ça irait jusqu'à au moins 60. Ou, pas du tout. Et il semble que ce soit difficile, tout bêtement. C'est-à-dire, alors, quand même, quelques mots sur les progrès depuis, parce que je vais me border à indiquer les plus importants. Le plus important de loin, c'est Bott. C'est Bott qui a un théorème de périodicité des groupes d'homotopie. Pas des sphères, mais des groupes classiques du genre SON, etc. Si vous prenez pi i de SON, quand n augmente, ça devient constant.
N grand. Bien sûr, le grand est précisé. Et c'est remarquable parce que pour les pi de SON, la périodicité en I, c'est I modulo 8. Si à la place de ça, vous mettez un groupe unitaire, ce qui est un cas très intéressant aussi, le cas du groupe unitaire, à ce moment-là, c'est I modulo 2, c'est encore plus beau. Et ça a eu des tas de conséquences, et je vais terminer par une liste d'entiers que j'aime beaucoup, qui sont liés à Adams, parce que Adams a utilisé les résultats de Bott, et plus pas mal d'autres choses, pour donner des morceaux, des groupes stables, les pi. Plus précisément, prenez morceau stable. Enfin, prenez, non, pas le bon, groupe stable, je vais l'appeler pi simplement. Mais c'est pi n plus i n grand. Prenons i égale 3. 7, 11, 15. Ici, c'est un groupe cyclique, dans chaque cas, il sera cyclique, d'ordre 24. Ici, 240. Ici, 504. Ici, 480. Plus 2. Je veux dire par là qu'il y a un groupe cyclique d'ordre 480, c'est celui fabriqué par Adams, mais il y a un petit morceau supplémentaire, d'ordre 2. Et après, ça continue. Alors, ces nombres sont des nombres un peu magiques. D'abord, comment on les obtient ? Ben, par définition, celui-là, c'est le dénominateur du groupe de Bernoulli B2, divisé par 4, c'est-à-dire 2 fois 2. Ici, c'est le dénominateur de B4, divisé par 8. Ici, le dénominateur B6 divisé par 12. Bon, c'est bien. Bon, mais il y a une définition, il y a une caractérisation élémentaire de ces choses-là. Prenez un entier X, premier, disons premier à 2, 3, 5, 7, 6, disons. Et regardez X2. Eh bien, vous constaterez que X2 est toujours congruent à 1 modulo 24. Pourquoi ? Parce que c'est une congruence modulo 8 et une congruence modulo 3. Tout le monde sait qu'un entier impair au carré, c'est 1 modulo 8. Et également, à cause du plus ou moins 1, c'est divisé par ça. Et ça va être pareil ici. C'est la plus petite valeur telle que l'on est X4. Modulo 240. Pour tout entier, vérifiez ça et vérifiez que x6. Alors, par exemple, pour 6, ce 6 est divisible par 7, vous le voyez bien, puisque le quotient c'est 72. Alors, pardon, 72. Je fais des erreurs. X6 congruent à 1, mais évidemment, il y a 7 dedans, parce que modulo 7, x6 c'est 1. Donc voilà une caractérisation élémentaire. Bon, c'est pas tout. Vous avez entendu parler de la fonction de zeta. Et la fonction de zeta, on la regarde quelquefois aux entiers positifs, il y a des puissances de pi. C'est intéressant ou pas, mais il y a des puissances de pi. Mais l'équation fonctionnelle transforme ça en des valeurs aux entiers négatifs. Alors, zeta de moins 1 égale moins 1 sur 12. Zeta de moins 3 égale moins 1 égale 1 sur 120. Zeta de moins 5 égale 1 moins 1. Il y a un signe sur 252. Bon, et ça c'est simplement parce que on regarde et les nombres de Bernoulli vous donnent ça. Alors, celui-là, ça serait
Oui, ça, ça marcherait. Alors attention, le numérateur n'est, dans les Bernoulli n'est pas du tout toujours 1 ou moins 1, mais il faut aller assez loin, il faut aller jusqu'à 12 pour trouver le fameux 691. Bon, donc, vous avez une interprétation en termes de zeta. Mais, puisqu'on en est à faire la théorie des nombres, on va faire un petit peu de théorie des nombres. On va regarder... On va regarder Ramanujan. Il aurait été un peu surpris qu'on s'intéresse à l'homotopie et à lui en même temps, mais il s'intéressait beaucoup au nombre de Bernoulli. Et le nombre de Bernoulli joue un rôle dans ces choses-là indispensable. Alors, Ramanujan a beaucoup utilisé les formes modulaires. Et ces formes modulaires sont des. Il y a trois séries qu'il a appelées. PQR. Et puis c'est un moins 1, 24. C'est une série en une variable qui s'appelle Q. Sigma petit a de n, c'est la somme des diviseurs de n à la puissance a. Donc ici c'est la somme des diviseurs. Oui, Wattels, comme on dit en anglais, quoi. C'est pas, vous pouviez vous attendre à ça. Donc, avec les mêmes coefficients en question, qui intervient, c'est aussi lié à ça. Et puis alors, les magnifiques identités de... voyons quelle est l'identité. Alors, ça, ce n'est pas une forme modulaire, pas tout à fait, mais c'est moralement une forme modulaire de poids 2. Ça, c'est une vraie forme modulaire de poids 4, la série d'Eisenstein, et ça, c'est de poids 6. Bien sûr, 4, 6, quoi d'autre. Et alors, il y a cette splendide formule, qui d'ailleurs, je ne pense pas qu'elle soit due réellement à Ramanujan, mais Jacobi... connaissez certainement ça, 1728, delta, alors 1728 c'est 2, 6, 3, 3, delta, ou delta, le fameux delta qui est dû à Jacobi, mais étudié par Ramanujan, quelquefois les gens l'appellent, lui attribuent le nom de Ramanujan, c'est inexact, c'est ça. Alors, voilà, on peut pas, je ne peux pas mieux terminer que sur Ramanujan, donc je m'arrête. Je suis désolé, j'ai oublié de vous dire que j'aurais aimé avoir des exposé, mais c'est un peu tard pour le dire, mais c'est peut-être le moment d'en poser. Pas forcément sur les groupes d'homotopie d'ailleurs, si Ramanujan nouvelle, mais peut-être sur les groupes d'homotopie. Des questions. Là, il y a une question. Vous n'êtes pas très bavard. Ah, c'est gentil. Mais quel prix des groupes d'homotopie ? Est-ce que c'est intéressant parce que, c'est un point difficile, les gens s'intéressent à ça ? Ou il y a vraiment des applications en topologie ou en d'autres choses pour lesquelles ça peut... Alors, il y avait... l'application standard, initialement, c'était... Ça s'appelait grimper sur les squelettes. C'était le grimper sur les squelettes. Alors, si vous ne savez pas ce que c'était que grimper sur les squelettes, c'est ceci. Vous avez envie de construire une application continue entre polyèdres, par exemple. Alors vous dites, ah bon, je me la donne sur les sommets. Ah oui, très bien. Alors, ensuite, je la cherche sur les arêtes. Ah. Et quand ça fait un tour,
quand j'ai un triangle, j'ai déjà prolongé sur les côtés. Est-ce que je vais pouvoir prolonger au triangle? Ça dépend de l'image de ça. Si c'est le pi 1 qui est une obstruction, comme on dit. Alors, supposez que le pi 1 soit vaincu, par exemple sur les 0, et vous continuez. Et à chaque pas, vous trouvez des obstructions à valeur dans les groupes d'homotopie de l'espace d'arrivée. Alors, la situation est quand même pas si désespérée que je la décris, parce que là, je vous la décris en disant, vous arrivez, et puis c'est pas possible. Non, c'est l'astuce de la théorie des obstructions. Vous dites, c'est comme faire de la couture et défaire ce que l'on a fait. On dit, je vais un pas en arrière. Les prolongements précédents, je n'étais pas forcé de prendre ça. J'aurais pu changer, et aussi par un groupe d'homotopie, mais d'ailleurs de 1 degré de moins. J'aurais pu changer. Et ça, c'est par une cochaine. Et quand on calcule, on constate que ça revient à ceci. C'est que l'obstruction que l'on avait, c'était un cocycle. C'est un cocycle. Et qu'on a le droit de le modifier par un cobord venant du groupe d'homotopie précédent. Et alors du coup, si on a de la chance, le groupe d'onde du précédent peut corriger le groupe. C'est une technique qui en maths est extrêmement utile, en analyse aussi, vous faites des choses comme ça. Vous cherchez des prolongements de... Vous pouvez avoir à revenir en arrière. Ça, je m'en suis servi dans des questions de cohomologie des groupes, par exemple. En périodique, par exemple, c'est un point de vue standard du périodique. Vous êtes monté jusqu'à modulo P puissance N. Vous essayez de grimper un cran de plus. Si ça ne marche pas, peut-être que vous devez démolir ce que vous aviez fait avant et l'arranger. Il y a une question au fond. Oui. Merci pour vos textes. Des repères historiques sont très, très intéressants. Et vous avez... situé historiquement des travaux dont je crois que vous êtes fortement responsable avec les suites... J'ai du mal à vous entendre. Ah, pardon. Allez-y. Oui, donc avec les fibrations de serre et puis les suites spectrales de Loré. Oui. Mais il y a un autre outil que je n'arrive pas à situer historiquement, et je vais utiliser un mot que je ne connais pas, mais enfin, je ne comprends pas. Mais c'est les tours de Posnikov, c'était aussi... C'est vrai. J'ai pas pu en parler. Oui, si on peut dire. C'est venu quand C'est-à-dire, Posnikov avait introduit ça, et ensuite, dans un cours d'homotopie plus long, je voudrais parler de la méthode de Cartan et moi, et aussi de Whitehead, George Whitehead, consistant à tuer certains groupes d'homotopie, et ça fait des tours. Et Posnikov avait introduit ça, mais... Il ne pouvait rien en déduire du tout, parce qu'il n'avait aucun moyen de calculer. En fait, ce qui a permis ces progrès, ça a été le fait que grâce à la suite spectrale de Loré, on pouvait réellement, vous avez vu, c'est des calculs faciles en fait. Faciles, mais qui se coincent quelquefois. Quelquefois, vous constatez qu'avec l'information que vous avez, vous ne pouvez pas savoir que la différentielle de Loré est ça ou ça. Mais dans ce cas-là, il faut travailler. Et il faut trouver d'autres arguments. Bon. Ah. Peut-être que on peut dire que dans les années 50-60, des problèmes naturels se posaient en termes de groupes d'homotopie. Et qu'ensuite, comme on a inventé des invariants plus souple peut-être, la K-théorie de Attia Hirzebourg, basée sur Milnor, est une méthode extrêmement puissante. Certains problèmes d'homotopie de Adams, par exemple, où Adams avait fait un long article dans les annales extrêmement compliqué, avec la K-théorie, c'est... Et... je me rappelle que Attia m'avait expliqué un jour, il m'avait dit, c'est pas surprenant, parce que quand on utilise la K-théorie, les théorèmes de Bott sont cachés derrière les définitions.
Or ça, en bas, il faut savoir ça. Si vous avez la chance de pouvoir utiliser une théorie dont les démonstrations sont difficiles, ça vous donne une grande force. Donc là, sans le savoir, vous utilisez Bott quand vous utilisez la catégorie. Un peu comme en théorie des nombres, vous utilisez le corps de classe, par exemple. Ça, ce sont des démonstrations difficiles, mais qui s'appliquent extrêmement simplement. Bon, allez, là alors, c'est l'heure et demie. Donc, mais ça dépend, c'est quand même une autre question. Ah, allez-y. Le POR, ça continue ou quoi? Comment? Vous avez écrit POR. Ok. PQR. PQR. Ouais. C'est pas un zéro, pardon, c'est un Q. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs Ramanujan a choisi ces lettres-là, mais elles sont devenues canoniques. Alors, les lettres canoniques, ce serait E2, Eisenstein 2, E4, Eisenstein 4, Eisenstein 6. C'est ça. Donc la question, c'est est-ce que ça continue? Qu'est-ce que ça veut dire, continuer? Ah ben, il y a des séries d'Eisenstein, effectivement, pour tous les... et elle commence par un Bernoulli, enfin, c'est toujours un. Bon, vous voyez, ça, c'est essentiellement le Bn sur 2n, il y a un signe. Okay. Et ça continue comme c'est indiqué là, c'est-à-dire, la suivante, ce sera sigma 7 de n, et impair. Très bien. On peut continuer à l'apéritif s'il y a d'autres questions. On va remercier encore le professeur Serre.